On vieillit tous, hein, on rajeunit pas. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, vous voyez, mon fond de teint est plutôt pas mal, mais plus tard, il va changer, je sais pas pourquoi. Donc là, du coup, je vais mettre un peu de poudre là, parce que je transpire, je sais pas pourquoi. J'ai un peu de petits boutons, je sais pas à quoi, je fais allergie. Je ne comprends plus ma peau. Bref, donc là, je suis sur le point de sortir. Je vais aller manger avec Ilona, aujourd'hui c'est son anniversaire, on va aller manger au restaurant. Et en fait, aujourd'hui, elle était supposée me prendre des photos, mais... Franchement, on va juste prendre photo au restaurant. En plus, on va passer une journée entre filles tranquille. Donc voilà. Et donc là, je suis arrivée. Je suis juste venue retoucher mon make-up. D'arriver au restaurant. Voilà ce que j'ai porté. J'ai porté mon ensemble Zara que vous connaissez déjà. J'ai mis mes loafers. Cocktail, je crois qu'il doit être un peu lourd, c'est pour ça qu'ils n'ont pas mis beaucoup de choses. Et c'est quoi les pétales là? C'est des fraises? Ils ont mis une note. C'est une note qu'ils ont mis. Hein. Genre qui va avec le cocktail. Ma chère Gabrielle, tes créations sont à ton image. Élégante et spontanée. Bisous, Jean. Et ton café là, s'il te plaît, enlève ton truc là, s'il te plaît. Ah, c'est du... Thank you. Ok, donc là nous avons fini de manger avec Ilona, on va aller faire quelques courses et après je vais rentrer, donc voilà. Sandro, je vais essayer les robes. Je pense que j'en avais parlé déjà sur Snapchat ou sur YouTube, je sais plus. Les robes qui sont virales, qui sont féminines. Donc normalement Sandro, j'ai pas ma taille ici, mais comme le style de robe est un peu stretch, on va voir. Donc c'est du 14, 40 ans. Et franchement, c'est petit ces trucs là. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Attendez. Ça va être un non, c'est trop révélateur. Faut même pas avoir de ventre avec ça. Faut pas avoir. C'est juste en fait. Mais elle est super belle la robe. Elle est magnifique. C'est pour ça que je t'ai proposé. Tu préfères quoi entre ça et l'autre là-bas?
Vas-y, prends ton sac. On y va? Concealer for the face. Avant, je mettais mon concealer. Oh, yeah, yeah, it's true, you can do that as well. Ok, alors là, on a Hourglass. On est venu acheter du maquillage, comme je vous ai dit. Mais mon Dieu, il fait chaud. Et là, Ilona, elle va faire un test de concealer. Même moi, je lui demandais aussi c'est quoi ma couleur, mais je sais que la couleur que j'utilise, c'est la bonne couleur. Thank you. Have a lovely day. You too, bye. Hello les filles, donc là on est vendredi, la dernière fois que je vous ai eu, j'étais avec vous. Donc la dernière fois que j'ai allumé la caméra, c'était mercredi et aujourd'hui nous sommes vendredi, donc ça fait deux jours que j'ai pas allumé la caméra. C'est la période du mois, donc je me sens un peu bizarre maintenant. Avant ça m'arrivait pas, mais à chaque fois que c'est la période du mois, je me sens un peu drainée, fatiguée, pas en motivation, moody, anxieuse. Je sais pas pourquoi, c'est quelque chose de nouveau. Avant, ça ne m'arrivait jamais quand j'étais indisposée. Mais depuis cette année, en fait, j'ai remarqué, je me sens... Ça me change carrément de caractère, en fait. Ça me met... ça me rend à dire même dire triste, en fait. La dernière fois, j'étais avec Ilona. On est parti manger. Après, après le restaurant, j'avais des petites courses à faire. On s'est arrêté à Sandro parce que je vous avais dit que je voulais une robe chez Sandro, mais je voulais l'essayer. Malheureusement, j'ai trouvé que ça ne m'allait pas du tout avec ma morphologie. Il faut que je perde encore quelques kilos avant de pouvoir porter cette robe-là. Je pense que j'ai vlogué et je pense que la robe noire, ça allait, mais la couleur verte, la robe verte, elle était plus jolie au niveau de la couleur. Ça m'allait beaucoup plus au teint, mais le modèle noir était mieux en fait sur moi. Peut-être avec une gaine, ça aurait été bien, mais je me suis dit non, pas pour le moment, parce que quand même, c'est un investissement, les robes Sandro. Et... mais c'est aussi bon à savoir parce qu'en fait ils font pas de très grande taille dans leur boutique, ça va jusqu'au 42, mais c'est bon à savoir que ben, ce genre de robe je peux quand même rentrer dedans puisque c'est un peu voilà stretch quoi. Donc voilà, je pense que c'est leur robe la mieux vendue tous pendant l'été et le printemps. Je crois que ça doit être une pièce classique de leur collection. Donc voilà, même Ilona aussi a essayé une robe qui lui a plu, mais après bon, elle a dit qu'elle aimait pas trop je crois, je sais même plus quoi, la couleur. Ils ont de très belles pièces, Sandro. Ils ont de très 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 belles pièces. Et ensuite, nous sommes allés à Selfridges parce que j'avais besoin de maquillage. Et le temps passe tellement vite. En fait, je voulais aller à Ross, mais il n'y avait pas le temps. Donc du coup, je voulais acheter du maquillage. Et une fille que je suis en fait sur TikTok, j'aime bien quand elle se maquille parce que tout ce qu'elle fait comme maquillage, c'est glowy. C'est ce que j'aime. Je me suis même arrêtée chez Nars pour leur dire mon problème pour le fond de teint. Et comme par hasard, ce jour-là, mon fond de teint, il n'avait pas oxydé ou quoi que ce soit. Il est resté parfait. Mais je pense que je vais changer. Je vais acheter un nouveau fond de teint. Je pense que je vais pas dire que c'est ça pour eux, mais je pense que le produit n'est plus bon parce que ça fait longtemps, en fait, que je l'ai. Donc voilà. Donc, elle me disait que c'est 70% de soin dans ce fond de teint. Donc, ça se peut que c'est peut-être pour ça que ça change de couleur. Et elle me disait du n'importe quoi, bref, que ouais, peut-être que c'est pas ma couleur. J'ai dit, ça fait des années que j'utilise Nars et c'est ma couleur. Bref, donc j'étais à Hourglass, donc j'ai pris un anti-cerne pour Ilona. Parce que elle se maquille que avec l'anti-cerne. Donc je l'ai pris, c'est quoi, la teintique. Mais je crois que j'ai filmé, mais vite fait, hein. Je sais même plus ce que j'ai filmé, je parle là, je filme. Donc la fille en question que je suis sur TikTok... disait qu'en fait que c'est mieux de prendre un eyeliner, donc un crayon pour les yeux, pour faire votre contour de lèvres. Parce qu'en fait, ce qu'elle disait, je trouve que c'est logique, parce que même moi aussi, c'est la même chose. Quand je fais mon contour de lèvres et que j'applique mon rouge à lèvres, mon gloss, après un moment, quand vous mangez, vous, je sais pas, vous parlez ou bien vous buvez quelque chose, bah, en général, vous devez en fait repasser votre crayon parce que ça s'est voilà, ça s'est estompé, c'est parti. Donc j'ai pris le crayon Cave de chez Hourglass, donc c'est le Waterproof J Eyeliner. Voilà, et en plus il est marron foncé, donc elle disait que ouais, ben Chestnut c'est aussi bien, mais la couleur n'est pas, je sais pas si vous voyez là,
En fait, la couleur de chestnut, c'est pas assez foncé, voilà. Donc, j'ai pris ce crayon-là et je voulais aussi passer chez Dior parce que je vous avais dit que ben, l'étui que j'avais acheté, en fait, les rouges à lèvres que j'ai ici ne rentrent pas dedans. Donc, j'ai dû aller chez Dior. En fait, je viens de me rendre compte, en fait, parce que c'est la deuxième fois que je refilme ce petit passage-là. Je viens de me rendre compte, en fait, que ça, c'est sur leur nouveau packaging. Et Selfridges, ça a tellement changé. Donc, ce magasin-là a complètement changé. Un truc de dingue. J'ai eu à travailler là-bas, mais j'étais au deuxième étage, voilà, au rayon mode. Et du coup, ils sont en train de changer tout le département, le beauty département, donc le ground floor en fait. Et c'est vraiment super joli. J'ai bien aimé le stand Dior. Donc j'ai pris un rouge à lèvres. La teinte, il y avait deux teintes qui me plaisaient, mais il n'y avait plus l'autre teinte en fait. L'autre teinte, c'est un nude, mais plutôt marron. Et là, je suis passée à l'autre stage en fait de mon membership, on va dire, chez Dior. Donc, du coup, j'ai droit à des cadeaux, mais elle n'avait pas ça en magasin. Donc, elle va me faire signe quand ils vont en avoir et je vais aller récupérer ça. Donc elle m'a donné des échantillons. Mais ben, déjà d'or, j'en ai plein, plein, plein. Moi, je préfère les parfums de la collection en échantillon, quoi. J'aurais dû lui demander, mais j'irai la prochaine fois, je vais demander. Oh là 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 là. Donc j'ai pris un nouveau lip oil. Par contre, j'ai changé de couleur. C'est une édition limitée. C'est le. Non, c'est pas ça. Oh, vous avez vu, j'ai l'impression que c'est. Tout est. Mais j'ai cru que c'était pour les hommes en fait quand j'ai vu ça. Parce que c'est les hommes normalement qui ont ce sac là. Donc je me suis dit peut-être qu'ils sont out of stock. Mais je sais pas. Je comprends pas. Bref. Donc j'ai pris un lip oil, donc c'est le bronze glow. Donc c'est du marron en fait. Voilà. C'est du marron comme ça. C'est comme s'ils ont mis un truc. Ils ont mis le quelque chose pour faire repulper les lèvres en fait. Donc voilà, donc j'ai pris ça, c'est la teinte 062 Bronze Glow. Je pense que c'est une édition limitée, si je ne me trompe pas. C'est l'édition limitée, là, c'est pour la collection du printemps. Et j'ai pris le rouge à lèvres en couleur nude. Donc il y avait celui-là, donc c'est le numéro 100. Et je vous mettrai aussi l'autre couleur en bas. C'est 712. C'est une très très belle couleur. Donc c'est une couleur marron. Marron mais nude quoi. Donc voilà, donc j'ai pris ça. C'est bizarre, c'est comme si ça a fondu à l'intérieur. Donc j'ai pris ça et ça va rentrer en fait maintenant dans mon étui. Voilà. Donc voilà, oh là là, je vais enlever ça parce que je vais faire une vidéo unboxing. Donc voilà, et je me suis arrêtée aussi parce que le stand il est vraiment magnifique, hein. Donc j'ai encore demandé à la SA qui était là-bas justement pour les parfums. Et je lui ai demandé quels sont les parfums les plus élégants et les parfums les plus féminins de la collection privée de chez Dior. Donc écoutez, hein, prenez note les filles. Donc elle m'a dit, le premier qu'elle m'a dit, elle m'a dit Gris Dior. Ensuite, Oud Ispahan, Jasmin des Anges, Diorama, je crois. Diorama. Ouais, Diorama, elle m'a dit. Attendez, je vais vous dire. Elle a aussi dit Ambre Nuit. Ambre Nuit, la colle noire. Ah, je viens de recevoir la notification pour ma commande Zara. Parce que je faisais la vidéo avant, je vous disais que je devais filmer en fait un haul Zara. Et j'ai pas encore reçu les pièces. Bah là, Dieu merci, quoi. Attendez, je vais vous dire c'est quoi le nom du parfum.
c'est pas ça. Attendez, je vous dis le nom. Oh, c'est parti. Donc voilà, donc du coup, maintenant, je lui ai encore, ben, j'ai encore posé des questions, j'ai tout senti là-bas, oh là là. Franchement, leurs parfums sont trop bien. Et quand j'étais là-bas, justement, j'ai réalisé que mon Eau d'Hispahan, ça va faire pratiquement 3 ans que je l'ai. Ça fait 3 ans que j'ai la bouteille. Donc c'est vrai que le prix, il est assez, voilà. Quand on vous dit le prix comme ça, vous dites, waouh, ça fait beaucoup. Mais c'est un investissement et franchement, rapport qualité-prix, ça en vaut le coup. Et ça, j'ai la pendaison, j'étais étonnée parce qu'elle m'a dit, c'est abricot. Jasmin. Et oui, en fait, ça sent bon aussi, mais c'est pas moi en fait. C'est pas moi comme parfum. Donc, je me suis aussi arrêtée chez Maison Francis Cardugin. Oh là là, j'étais loin. C'est Dior Riviera. Donc, c'est figue et rose. Figue et rose. Mais par contre, je ne l'ai pas senti. Je pensais que je connaissais, mais non, parce que c'est un nouveau parfum celui-là. C'est figue et rose, j'ai pas senti. Donc elle m'a dit ça aussi, c'est très élégant et très féminin comme parfum. Donc vous pouvez aller, quand vous avez le temps, aller sentir. Et justement, je parlais avec elle et tout, donc, et je lui disais que je trouvais que Maison Cardugin, Francis Cardugin, j'ai pas été envoûtée en fait par les senteurs. Donc j'ai essayé, regarder, j'ai fait tout ça. J'étais avec Ilona et Ilona aussi, elle disait que elle aime pas cette, elle a dit carrément qu'elle aimait pas la marque. Donc voilà, j'ai essayé tout ça. Donc j'ai pas essayé, j'ai essayé encore le Baccarat. Je suis pas fan. J'ai essayé Grand Soir, j'ai pas aimé. Par contre, Satin Hood, j'ai aimé. La vie rose, un truc comme ça, je sais plus c'est comment. Ça aussi j'ai aimé. Dans Satin Hood, j'ai aussi aimé l'extrait de parfum aussi, ça sent super bon. Et Grand Soir, par contre aussi j'ai pas aimé. Il y a de la vanille dedans. Je sais pas, j'arrive pas. Enfin, c'est même pas que j'arrive pas, mais je sais pas, j'ai pas aimé. Et ça m'a pas fait waouh. Donc du coup, et je lui demandais, en tant que vendeuse et tout, comme elle est sur le, voilà, sur le terrain et tout, qu'est-ce qu'elle prépare comme parfum. Et en même temps, directement, elle m'a dit Louis Vuitton et Guerlain. Et elle a dit Neroli de Guerlain. Et elle m'a dit un autre, j'ai oublié. Et c'est vrai que ben, Guerlain, ils ont une collection aussi ben, privée. Et ils ont aussi des bons parfums. Après, j'ai pas senti tous les parfums qui sont sur le marché. Mais voilà, c'était juste pour vous faire une petite parenthèse si vous êtes intéressé. Et vous savez toujours pas ben, quoi choisir comme parfum. Vous voulez quelque chose de féminin, élégant. Voilà, donc je répète encore. Ambre nuit, vraiment c'est très chaud, hein. Donc c'est ambre et je sais plus c'est quoi les autres notes. La colle noire c'est très floral, vous avez Grédior c'est floral et musqué en même temps. Vous avez Eau d'Hispahan, vous savez c'est voilà, c'est boisé et floral et très intense. Et vous avez, m'a dit jasmin des anges c'est fruité et floral. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Grédior, je vous ai déjà dit ça. Et ouais, je crois que j'ai fait. Et Dior Riviera. Donc c'était figue et rose. Donc c'est fruité et floral. Donc voilà. Donc c'est tout ce que j'ai acheté. Par contre, j'ai reçu quelques commentaires. Donc je vais faire une petite parenthèse. En général, je fais plus trop de commentaires par rapport à ce genre de commentaires en fait. Mais je trouve en fait que souvent, il y a certaines personnes, quand vous faites des commentaires en fait, je pense que. Je sais qu'en fait la plupart des gens qui me suivent c'est là les âges que vous avez, c'est entre le maximum c'est peut-être 35 ans, donc c'est entre 25 et 35 ans, c'est le maximum de personnes, le pourcentage de personnes qui ont cet âge, c'est vous qui me suivez le plus sur cette chaîne là. Donc une personne je perds même mes mots. Donc en fait du coup vous avez vu, je fais une nouvelle série Une femme dans la trentaine à Londres. Donc elle s'est amusée à écrire Tu mens, t'as 40 ans. Ou je sais pas, t'as 40 ans, elle a écrit un truc comme ça. Donc en même temps j'ai bloqué quoi en fait. J'ai bloqué déjà un parce que j'ai trouvé que en fait c'est la deuxième fois qu'elle fait un commentaire bizarre comme ça. J'ai reconnu les noms parce que voilà, les gens qui commentent régulièrement, je reconnais vos noms en fait. Donc du coup, je me suis dit, mais même si j'ai 40 ans, en fait, il est où ton problème? Et pourquoi tu écris, en fait, ça sous ma vidéo, en fait? Tu vois, on vieillit tous, hein, on rajeunit pas. Hein.
voilà, chaque année passe. Je pense que nous tous, on est là, on se dit ah, 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 ah. Et je me rappelle quand je devais avoir 30 ans, j'avais une pression en fait, j'étais mal parce que j'avais personne dans ma vie, j'avais pas de copains. J'avais un boulot, j'étais bien, voilà, j'étais épanouie dans mon travail. J'avais pas de copains et j'étais restée longtemps célibataire. Donc après avoir eu Ilona, je suis restée longtemps en fait seule. Donc bref, donc quand je devais en fait avoir, voilà, je devais avoir 30 ans, je m'étais mis une pression. Et j'ai l'impression qu'en fait souvent, quand il y a les, voilà, quand vous avez le nouveau chiffre qui arrive avec le zéro, on se met une pression. Mais je pense que c'est pas bien de se mettre une pression en fait, parce que je pense que là où on est actuellement, c'est là où on doit être en fait. C'est notre parcours, c'est notre destin. Donc voilà, donc je pense que vieillir, c'est une... Prendre de l'âge, c'est quelque chose de beau. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à passer le cap des 20 ans, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70. C'est une belle chose de pouvoir vieillir. Donc voilà, je vois pas en fait pourquoi cette personne en fait a écrit ça en fait. Pour me dire quoi, que t'es vieille. Même si j'avais 40 ans, voilà, tout le monde va passer par là. Et voilà, je suis toujours jeune en fait. En tout cas, je me sens jeune. Même là, quand je suis allée fêter l'anniversaire avec Ilona, je lui disais que vraiment et tout, ça me fait bizarre. Et je disais que finalement, en fait, ça a ses avantages et ses désavantages d'avoir un enfant jeune. Parce que, ben, voilà, je suis une jeune maman en fait. Voilà, elle est une jeune adolescente. Je suis une jeune maman, c'est cool quoi. Donc voilà, et j'ai eu un autre commentaire et en fait je vais vous lire le commentaire. Donc en fait ça a attiré mon attention parce que le nom en fait de la personne, j'ai reconnu le nom de la personne et c'est quelqu'un qui me suit, donc elle doit savoir en fait ce que je présente en fait sur ma chaîne. Donc le commentaire c'était: ma chérie, c'est bien beau de présenter tout ça, là tu vis bien. Écoutez, hein, je parle bien. Ma chérie, c'est bien beau de présenter tout ça, là, tu vis bien, on est content pour toi, mais il faut aussi montrer tes réalisations parce qu'il y a plein d'Africaines que tu regardes. Qui te regardent, je pense qu'elle voulait écrire. Comme elles te suivent, ça va aussi les motiver, les réalisations que tu as faites. Donc elle a mis un émoji avec des cœurs et elle a écrit sans sang. Genre elle a mis l'émoji où on se serre la main. Et moi je me suis dit, mais pourquoi elle a mis ça ici? Puisque moi, c'est parce que je présente sur la chaîne. Quand vous venez sur ma chaîne YouTube, peut-être pas sur Instagram, mais si vous allez sur Instagram, il y a écrit en haut ce que je présente. Sur ma page TikTok, il y a écrit Lifestyle Skincare Vlog. Sur ma page Instagram, je crois, il y a écrit Food, Luxury Lifestyle, Beauty. J'ai même pas mis mode, hein. Je pense même pas que j'ai mis mode. Et quand vous venez sur ma chaîne, comment je vous accueille, c'est: coucou, je m'appelle Cathy. Je fais de la mode, de la beauté, du lifestyle et du level up. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, abonne-toi. Donc voilà, en aucun cas je parle de réalisation où je suis en train de construire ma maison et tout ça. Et même si je le faisais, je ne vais pas le présenter en fait. Je pense qu'à un moment donné en fait, il y a certaines choses qu'il faut garder pour soi. C'est pas tout qu'on doit partager. Voilà. Moi personnellement, c'est pas des choses que je partagerai. Je suis contente de partager avec vous des astuces beauté, les jolis coins, je vais boire, manger, aller faire un massage, vous montrer quel bon produit il peut utiliser pour avoir une bonne peau, au visage, au corps, vous parler un peu de level up, voilà, de développement personnel, c'est ce que j'aime bien en fait. Voilà, vous parler de féminité, vous parler de ce genre de choses. Donc voilà, donc, souvent je sais pas, parce que le commentaire c'était pas méchant, mais je trouve un peu le fait qu'elle ait dit on est content, tu vis bien, mais on est content pour toi, et après elle ajoute ça. Donc voilà, donc bref, c'était une petite parenthèse. En tout cas, réalisation, il n'y aura pas de réalisation ici, tout ce que vous allez voir ici c'est du make-up. Make-up, skincare, peut-être plus tard ça va changer. Je sais même pas si j'aurai encore ma chaîne dans des années en fait, parce que je vais pas faire ça toute ma vie, être vlogueuse quoi. Peut-être j'aurai toujours ma chaîne, mais je ferai plus la même chose, puisque à chaque fois qu'on prend de l'âge, on évolue, on change. Ce que je faisais il y a 10 ans ou 5 ans ou 4 ans, je ne l'ai fait plus aujourd'hui, ou je l'ai fait peut-être d'une autre manière. Je me maquille plus pareil, je m'habille plus pareil, tout change en fait. Donc voilà, essayez de faire attention quand vous envoyez laissez des commentaires sur les posts des gens que vous suivez en fait. Même si vous avez des mauvaises, voilà, quelque chose qui ne vous plaît pas, gardez-le pour vous en fait. Gardez-le pour vous.
Donc c'est tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais acheter les produits Naturium, mais la boutique avait fermé. En fait, tout a changé, hein. À Bond Street, le magasin Selfridges, elle a complètement changé. Diptyque était fermé. Space NK était fermé. Donc je voulais acheter les deux gels douche là. Et donc voilà. Donc du coup là, je vais arrêter le vlog. C'est une petite vidéo simple. Et je vais vlogger ce week-end. Et aujourd'hui, on est vendredi. Je vais poster. Donc là, je vais aller faire quelques courses. Et je vais vous laisser. Merci de me retrouver sur ma chaîne si vous avez suivi jusqu'ici. Merci de me regarder. Merci aux nouveaux. Merci aux anciens. Je vous love et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.